Bonjour tout le monde et re-bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration « Je m'oriente en live » proposée par l'organisme Jeunes Expo, stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Expo de vous offrir cette chance d'exploration-là à vous les jeunes à la maison afin de vous aider par rapport à votre choix scolaire et professionnel qui n'est pas toujours un processus évident, on comprend bien. Je me présente, mon nom est Audriane Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice pour cette entrevue bien spéciale. Je tiens à mentionner pour les jeunes à l'écoute, si jamais vous avez des questions spécifiques pour notre mentor, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo et on tentera d'y répondre tout au long de l'entrevue. Alors, sans plus attendre, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui, la quatrième entrevue pour la semaine thématique de la justice. Alors, on reçoit Mme Luce Larivière-Manta, qui est technicienne juridique. Bonjour. Bonjour. Bien, tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté l'invitation. C'est la première fois qu'on reçoit une technicienne juridique. On a reçu avocat, mais là, vraiment, ça va être un beau parallèle à faire là, pour une profession qui reste quand même dans le domaine du droit. Donc, on a très hâte d'en apprendre davantage. Avant de commencer l'entrevue, on s'intéresse à savoir pourquoi est-ce que vous avez accepté notre invitation? Pourquoi c'est important pour vous de vous adresser aux jeunes aujourd'hui? C'est important pour moi de le faire puisque moi-même, lorsqu'il est venu le temps de faire le choix pour m'inscrire dans un programme au Cégep, je connaissais pas nécessairement toutes les options qui s'offraient à moi. Donc, c'est un peu par hasard que je suis déboulée sur le programme de technique juridique du Collège UNSIC. Et je suis vraiment tombée en amour là, pendant mes études, pendant 3 ans. Donc, ça me donne l'occasion là, de partager aux gens là, qui connaissent pas nécessairement ce métier-là, qu'est-ce qui en découle pour le partager. Tout à fait, puis on espère justement allumer cette étincelle-là pour les jeunes qui écouteront la vidéo. Maintenant, si on parle un peu de votre employeur, vous travaillez comme technicienne juridique au curateur privé. Qu'est-ce que c'est ce curateur? En fait, le curateur public, c'est l'organisme qui s'occupe. Il y a deux volets au curateur public. Là, c'est majoritairement c'est lui qui s'occupe des personnes dites inaptes, donc des personnes qui malheureusement là, ne peuvent plus s'occuper d'elles-mêmes au niveau de la prise des décisions. Donc, ça prend quelqu'un pour s'en occuper. Parfois, ce sont les membres de la famille et malheureusement, dans certaines situations, c'est pas possible pour la famille de le faire. Et c'est donc le curateur public qui va s'en occuper. Donc, que ce soit de choisir là, le type d'hébergement ou de gérer les revenus, prendre des décisions de cet ordre-là, ça va être fait là, par nos curateurs délégués au curateur public. Merci pour la précision, parce que ce n'est pas nécessairement une organisation qu'on connaît. Donc, ça permet justement là, de savoir un peu plus là, où est-ce que vous travaillez. Si on parle dans le concret, là, vraiment au quotidien, à quoi ça peut ressembler vos tâches à titre de technicienne juridique? Donc, comme je le disais, il y a deux volets. Le volet où c'est la famille qui désire s'occuper des personnes, et ils doivent, par l'entremise d'un notaire ou d'un avocat, déposer une demande en ouverture de régime de protection ou homologation de mandat de protection. Ces demandes-là doivent être envoyées au curateur public afin qu'ils soient analysés. Donc, c'est la technicienne en droit qui va analyser ces demandes-là et qui va, en cas de besoin, référer au juriste, donc à l'avocat ou au notaire du curateur public, s'il a été déterminé que le curateur public devait intervenir dans ce dossier-là. On peut, par exemple, penser au dossier où il y aurait de l'abus. Par exemple, là, des gens peu scrupuleux qui désirent, qui veulent, dans le fond, s'approprier peut-être les biens de la personne qui est inapte, vont demander l'ouverture d'un régime. C'est à ce moment-là que le curateur public là, va intervenir en indiquant là, que c'est peut-être pas les meilleures personnes pour s'occuper là, du majeur. Donc, c'est la technicienne qui va lire ces procédures-là. Moi, je m'occupe de la région de Montréal. On a des bureaux à Saint-Jérôme, Québec et Longueuil. Donc, le volet, justement, analyse des demandes envoyées au curateur public. C'est vous qui les recevez, puis c'est vous, en fait, qui faites un peu la gestion de qu'est-ce qui est recevable, qu'est-ce qu'on transfère aux avocats ou… En fait, il faut comprendre que c'est un mécanisme avec plusieurs, tranches de fromage suisse, avec plusieurs trous. Donc, il y a différentes lignes, là. Éventuellement, oui, il se peut que ça arrive, là, sur mon bureau, en fait, virtuel. Et effectivement, là, à l'aide du Code civil, du Code de procédure civile, de la loi sur le curateur public, je vais analyser là, les procédures reçues, voir si elles sont conformes
ou pas. Et en cas de problématique, là, je me réfère là, au juriste du curateur public à savoir s'il y aura oui ou non intervention là, du curateur public. Mais ultimement, il y a des procédures que je vais analyser qui ne seront jamais transférées là, à un juriste parce qu'elles sont conformes ou que, suivant les directives du curateur public, il n'y a pas d'intervention à y avoir. Est-ce que vous considérez votre travail comme étant un travail plus individuel ou, à l'inverse, c'est davantage un travail d'équipe, de collaboration? C'est un beau mélange des deux dans le sens où j'ai beaucoup de liberté avec mes tâches, mon travail. Je lis mes procédures moi-même, toute seule. J'ai pas besoin d'aide. C'est pas nécessairement un travail d'équipe. Chacun a ses procédures. Toutefois, le travail d'équipe vient lors des consultations avec les avocats. Mm-hmm. Parfois en groupe dans certains dossiers où là, on va travailler ensemble pour essayer de comprendre, voir la situation, qu'est-ce qui serait mieux de faire. Mais je vous dirais là, qu'ultimement, là, il y a une bonne partie des tâches là, qui se passent tout seul. Puis cette liberté-là est quand même très intéressante là, de dire qu'on me fait confiance là, dans mon analyse. J'imagine que justement, être autonome, hein, la qualité de l'autonomie, la débrouillarder, ça doit être assez central là, pour quelqu'un qui exerce vos fonctions. Oui, effectivement. Donc, en fait, on reçoit un énorme volume. Je reçois là une dizaine de procédures par jour à lire. Chaque procédure là doit avoir une soixantaine de pages à peu près. Donc, en fait, on va pas tout lire avec le juriste. Là. Donc, il y a une grosse partie qui est faite par la technicienne. Puis, on va référer au juriste au besoin. Donc, j'ai beaucoup d'autonomie, beaucoup de liberté. Plein d'outils de travail fournis, évidemment, là, que ce soit avec des grilles d'analyse, des tableaux, des directives, mais ultimement, on fait confiance à mon jugement. Donc, si j'ai indiqué là, qu'il n'y avait pas d'intervention, là, on se fie à moi, là, à mon analyse. C'est ce que j'apprécie beaucoup, en fait. Il y a une question qui revient énormément de la part des jeunes, c'est de savoir qu'est-ce qui différencie de façon concrète le travail d'un avocat et le travail d'un technicien ou d'une technicienne juridique. En fait, il faut le voir vraiment comme un partenariat puisque chacun a souvent des tâches et des responsabilités qui sont différentes. De plus, évidemment, il y a des actes qui sont réservés aux avocats, donc mm-hmm. notamment d'aller plaider là, devant les tribunaux. Une technicienne ne peut pas le faire. Donc, c'est vraiment un partenariat. Il faut aussi savoir que le travail des techniciennes dans les bureaux d'avocats et de notaires n'est pas nécessairement le même que celui des techniciennes qu'on pourrait retrouver dans la fonction publique ou dans différents organismes. Souvent, les techniciennes juridiques dans les cabinets de notaires ou d'avocats vont faire beaucoup de recherches, donc trouver de la jurisprudence, c'est-à-dire des cas similaires à celui qui est assigné à l'avocat, afin de pouvoir, dans le fond, étayer son dossier devant les tribunaux. Alors que la technicienne en droit au curateur public, je ne fais pas nécessairement de recherche de justement là, de cas similaires ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas là, le cadre de mon travail. Moi, c'est beaucoup plus l'analyse de procédure qui est faite à mon niveau. Puis justement, puisqu'on en parle là, de la différence entre la réalité d'un technicien d'une technicienne juridique en bureau privé, bureau d'avocat ou de notaire versus dans la fonction publique, je pense que vous avez quand même une certaine expérience aussi là, dans d'autres secteurs d'activité. Pouvez-vous nous en parler un peu là, de vos emplois antérieurs, puis quelles étaient les différences au niveau des tâches un petit peu? En fait, moi, j'ai fait mon stage là, de fin d'études de collège ANSIC. Je l'ai fait au Palais de justice de Longueuil en tant que greffière en chambre criminelle et pénale. Donc, j'ai été là, greffière audiencière pendant presque 2 ans. Par la suite, j'ai été agente de recouvrement au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Puis maintenant, je suis technicienne en droit au curateur public. Donc, ce sont tous des emplois dans la fonction publique, mais complètement différents dans la mesure où, comme agent de recouvrement, c'est de faire de la vérification de dossiers dans le but de recouvrer les sommes qui sont dues. Donc, préparation de dossiers au niveau de l'application des mesures légales, c'est-à-dire des saisies qu'il pourrait y avoir. En tant que greffier audiencier, c'est vraiment la tenue du dossier de cour, la rédaction des ordonnances là, suivant, par exemple, le prononcé de la sentence d'un juge, noter les présences et ces choses-là. Donc, toutes les tâches sont très, très, très différentes. Malgré que ce soit le même 3 ans d'études, là, les tâches ne se ressemblent pas du tout.
Je pense que c'est important de le souligner parce que c'est pas parce qu'on essaye un type d'emploi ou à un seul endroit que c'est vraiment le portrait de ce qui se fait en général ou partout. Mm-hmm. C'est ça aussi qui est intéressant dans votre domaine d'études, parce qu'une fois qu'on a obtenu notre diplôme pour être technicien ou technicienne juridique, il n'y a pas qu'un seul secteur d'activité possible. Si on veut absolument être dans le feu de l'action, puis un peu avoir le petit sentiment de stress de participer à des gros dossiers de plaidoyer, bien, on peut travailler comme de fait dans un cabinet d'avocat. Et si on recherche un peu plus de stabilité, d'autonomie, la gestion des dossiers, ben à ce moment-là, peut-être que la fonction publique dans un poste similaire au vôtre, ça pourrait tout à fait convenir, là. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts, c'est ce que je comprends. Effectivement, surtout qu'il existe plusieurs types de droits. Donc, autant les avocats pratiquent le droit criminel n'a rien à voir avec le droit civil. C'est la même chose pour les techniciennes en droit. Si vous êtes dans un cabinet de droit civil, c'est ce type de droit-là que vous allez faire. Si vous allez travailler dans un cabinet où il s'occupe des relations de travail, mais vous allez faire complètement autre chose, là. Donc, c'est très, très vaste être technicien en droit. C'est beaucoup de portes ouvertes. Puis, selon moi, c'est important là, peut-être d'entrouvrir plusieurs d'entre elles pour voir là, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser plus ou qui pourrait venir piquer notre curiosité. Puis, si jamais vous trompez de porte, bien, vous pouvez toujours changer là, pour aller dans un autre domaine de droit. Là. Puis, est-ce qu'il y a quand même une belle ouverture de la part des employeurs? Est-ce que c'est facile de trouver un emploi? Puis aussi de changer de branche du droit? Est-ce que quelqu'un qui a 5 ans d'expérience en droit criminel dans un cabinet d'avocat, par exemple, aurait de la facilité finalement à postuler dans un emploi comme le vôtre au curateur public? Je vais être honnête avec vous, c'est sûr que moi, je connais pas l'expérience au niveau là, des cabinets privés puisque je n'y ai jamais travaillé. Mais en ce qui concerne la fonction publique, c'est très facile, c'est très versatile parce que tout le monde est conscient qu'étant donné que les types et les branches de droit sont tellement diversifiés, ce qu'on apprend, c'est une méthode de travail, c'est une technique, c'est une façon de raisonner qui peut s'appliquer à n'importe quelle branche du droit, mais évidemment, on va devoir apprendre les outils un peu plus spécialisés à l'endroit où on va se trouver. Donc, même si j'avais une vague idée de ce qu'était le curateur public avant d'y travailler, mais je ne maîtrisais pas la loi sur le curateur public, évidemment. Mais bon, après presque 2 ans y nager, ça va. Ça, c'est une question aussi qui revient beaucoup, autant pour les jeunes qui s'intéressent justement à la profession d'avocat que pour les jeunes qui s'intéressent aussi au métier de technicien juridique. Est-ce que c'est important de tout connaître, les codes, les lois, parce que on va se dire, là, les codes de loi, c'est des manuels assez volumineux. J'imagine qu'on peut pas absorber là, tous ces éléments-là. Donc, est-ce qu'il faut être expert dans tout, un peu un touche-à-tout, ou pas nécessairement, c'est un présupposé qu'on a? En fait, personne ne connaît tout par cœur. Ce qui a de la valeur, c'est savoir où chercher l'information dont on a besoin. Et ça, que ce soit les avocats ou les techniciennes, c'est en fait ça qui fait la force, c'est de dire, je ne connais pas la réponse précise à ta question parce que souvent, plein de nuances, plein de particularités, mais j'ai une bonne idée où aller chercher l'information et la débroussailler, me faire une tête. C'est sûr qu'on apprend des concepts, des principes, des liens aussi entre les différents codes et lois qui s'harmonisent ensemble ou qui doivent être pris ensemble, mais non, connaître tout par cœur sur le bout des doigts, c'est pas la réalité. Il y a des choses qu'on finit par apprendre par cœur, mais c'est en raison de la répétition. C'est parce que vous avez lu cet article de loi-là 350 fois. C'est pour ça que vous le connaissez par cœur. Mais pourtant, au bout de la 350e fois, il se pourrait qu'on vous arrive avec une question et vous ne soyez plus certain de la réponse ou il y a une nouvelle, il y a eu un changement aussi. Il y a beaucoup de changements des fois. Donc, c'est important de se garder à jour là-dessus. Donc, connaître une réponse par cœur n'est pas utile, en fait, là, nécessairement.
un beau parallèle à faire avec les séries télé. Je pense par exemple à Suits, où est-ce que souvent ils ont réponse à tout, puis c'est facile là, l'accès à l'information. C'est pas toujours la réalité. Ça prend de la curiosité, ça prend aussi de la résilience. Hein. On connaît pas tout sous le bout de nos doigts. Ça prend un instant là, pour aller chercher l'information. C'est bien correct. Oui, puis en fait, ce qu'il faut faire comme parallèle, c'est que souvent, ils vous montrent des gens d'expérience, des gens qui sont là depuis un certain temps. Donc, ça aussi, ça vient influencer, en fait, vos réflexes puis vos connaissances. Si ça fait 10 ans que vous pratiquez, bien, c'est sûr que vous avez plus d'acquis et que vous êtes plus habitué de fouiller ou de trouver des choses. Mm-hmm. On ne réinvente pas la roue à tous les jours. Là. Il y a quand même des choses qui se maintiennent, mais dans la réalité, en fait, maintenant, les textes de loi sont disponibles sur Internet. Je vous dirais que le fameux contrôle F pour aller chercher dans un texte le mot qu'on veut, c'est très pratique. Très pratique, effectivement, plutôt que d'aller chercher là, dans le manuel comme autrefois, la technologie a bien des avantages. Oui. Maintenant, si on parle de la formation associée là, à votre métier, qu'est-ce que ça prend là, si on s'adresse aux jeunes qui sont tout près de terminer leur secondaire 5? En fait, pour devenir technicien juridique, c'est une formation de 3 ans dans un cégep. Donc, c'est une technique. Ça va être 5 sessions théoriques, en fait, et la 6e session est un stage obligatoire qui doit être réussi pour avoir le diplôme. À l'époque où moi, je me suis inscrite, c'était un programme contingenté. Donc, il fallait, là, il fallait avoir une certaine moyenne pour pouvoir être acceptée. Donc, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut prendre à la légère ou s'y prendre à la dernière minute, sans dire que vous allez être campé sur votre choix. Mais en fait, c'est que c'est important. Vous ne pouvez pas réaliser à la dernière minute, je veux m'en aller là. Oups, j'ai oublié de donner de l'importance à mon cours d'histoire. Et donc, ma moyenne en a souffert. À ce niveau-là, c'est sûr qu'il faut des fois y penser un petit peu d'avance pour pouvoir là, passer dans ces programmes-là. Oui. Mais sinon, là, c'est sûr que l'inscription au cégep, vous pouvez toujours faire un changement de programme. Ces 3 ans, c'est des cours très pratiques. Donc, parce que c'est un programme technique, en fait, une fois à l'obtention du diplôme, on est apte à exercer un métier. Donc, ce n'est pas que des cours là, généraux. C'est vraiment des cours pratiques, des cours où on fait de la recherche, on analyse des documents. On va sur le registre foncier, par exemple. Au cégep, on apprend comment s'y retrouver, comment l'utiliser et par la suite, dépendamment évidemment du type de droit là, qu'on aura choisi, on sera en mesure d'aller consulter là, les documents qui s'y trouvent et d'utiliser cet outil-là. Donc, quand même, là, même la technique, il y a quand même beaucoup de le volet pratique là, qui est vu par les étudiants. Puis les professeurs aussi sont là vraiment pour s'assurer que vous compreniez bien justement les outils de recherche surtout. Puis justement, ce volet-là de votre pratique, hein, on en parle souvent depuis le début de l'entrevue, l'aspect recherche, hein, aller rechercher les informations, orienter correctement sa recherche. Ça, est-ce que ça occupe quand même un gros pourcentage du quotidien, que ce soit dans n'importe quel secteur? C'est sûr que l'aspect recherche est toujours là parce que, comme je vous l'ai dit, on ne connaît pas les réponses toujours par cœur. Mm-hmm. Donc, j'ai appris à chercher au cégep, on m'a appris à utiliser le code civil, le code de procédure civile, la façon qu'ils sont construits, la façon qu'ils sont vus, pensés et réfléchis. Donc, oui, on m'a montré ça, mais par la suite, dans le cadre de mon travail, je dois aller chercher dans ce code la réponse à la question que je pourrais me poser. Par exemple, la procédure doit être prise dans le bon district, c'est-à-dire dans le bon palais de justice. Il y a des articles qui prévoient les règles par rapport à cet endroit-là. Donc, c'est d'aller chercher l'information. Je ne la connais pas par cœur, mais je le sais dans quelle zone, quelle région du code pour pouvoir aller chercher là, la réponse à ma question. Et puis, la collaboration entre le technicien et l'avocat, est-ce que c'est vraiment...
rester serrés? Est-ce qu'ils ne peuvent pas se passer de vous? Est-ce qu'au contraire, ils seraient à l'aise là, de faire eux-mêmes certaines tâches? Et comment ça se passe, en fait, cette collaboration-là entre techniciens puis avocats? En fait, c'est un peu comme je vous l'ai mentionné plus tôt, c'est vraiment un partenariat parce que c'est vraiment de dire chacun a son bout à faire, puis c'est en collaborant qu'on arrive à obtenir le meilleur résultat. Mm-hmm. Évidemment, personne n'est irremplaçable. Tout le monde est capable de se trouver un autre emploi où il y aura quelqu'un d'autre. C'est vraiment une collaboration de dire j'ai fait mon bout de chemin avec le dossier et on passe le flambeau à quelqu'un d'autre pour qu'il finisse finalement le chemin. Donc, moi, j'ai la chance de travailler avec une équipe absolument extraordinaire de juristes. Moi, je pourrais pas me passer d'eux parce qu'ils sont vraiment extraordinaires. C'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Puis, ils ont des connaissances. Ils sont extraordinaires. Ils savent des choses. Par leur expérience, ils finissent par apprendre là, peut-être des réponses un peu plus sur le bout de leurs doigts. Donc, c'est toujours un plaisir de discuter avec eux, d'analyser un dossier. C'est vraiment génial, mais il faut voir que c'est un partenariat. Je ne sais pas quel exemple vous donner, là, mais une infirmière puis un médecin. Tout à fait. On ne les interchangerait pas. On veut les deux, en fait. Exactement. Je ne veux pas ni un ni l'autre ou j'en veux pas un plus que l'autre. On a vraiment besoin des deux. Je pense que c'est la même chose, ça, au niveau là, des c'est avocats. C'est super important de le dire puis de valoriser, justement, là, l'importance de ces deux corps de métier-là, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On a besoin des deux. C'est une équipe, finalement. Moi, je pense à certaines émissions de télé où est-ce qu'on voit, par exemple, le technicien qui là, fait ses recherches puis finalement trouve un élément super pertinent à la cause qui peut changer, en fait, tout le reste du dossier. Moi, c'est à ça que je pensais, en fait, là, que il y avait vraiment un fort esprit de collaboration, puis que des fois, votre travail peut justement ébranler tout le reste et inversement aussi, si c'est l'avocat qui trouve un autre élément, ben vous, votre travail peut être orienté d'une autre façon. Alors, c'est vraiment intéressant. Si on parle maintenant des outils que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre travail, on a parlé tantôt de l'aspect technologique qui est vraiment facilitant. Les codes de loi, c'est plus en version papier ou presse. Le contrôle F est super pratique. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça logiciels que vous utilisez qui sont vraiment facilitants là, dans votre quotidien? En fait, dans mon quotidien, bon, oui, j'ai des codes papier là quand même parce que des fois là, c'est réconfortant. Mais sinon, au niveau là, des systèmes qu'on va utiliser, le registre foncier, donc tout ce qui a trait là, aux immeubles, on travaille avec cet outil-là. Sinon, tout ce qui est antécédents judiciaires. On y a accès également tous les registres pour avoir, dans le fond, ça s'appelle le plumitif, pour avoir les registres des dossiers de cours. Donc, on y a accès aussi également. Mm-hmm. Sinon, on a notre logiciel que je vais appeler Maison. Donc, notre système d'exploitation là, pour les dossiers spécifiques du curateur public. Donc, c'est sûr que plus le temps avance, plus on s'en va vers une version là, numérique, numériser autant les dossiers des juristes que les dossiers des techniciennes pour éliminer là, davantage le papier, surtout avec la situation actuelle. On n'a pas nécessairement l'occasion de se passer le dossier physique, donc il faut qu'il soit numérique là, pour s'assurer du suivi. Et maintenant, une question peut-être un peu plus personnelle. Dans votre cas, comment est-ce que vous avez su que c'était ce travail-là que vous vouliez faire plus tard? Elle vient d'où cette étincelle pour votre métier? En fait, moi, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir une famille dont j'étais très proche. Ma tante est technicienne juridique, puis en fait, ma mère regardait là, les fameux livres là, où on a là, le portrait des métiers d'avenir, puis tout ça. Puis elle a dit « Ah, je pense que t'aimerais ça ». Puis je me suis dit « Ben, je vais essayer, je vais m'inscrire, puis si j'aime pas, je changerai ». Mais en fait, mon premier cours était un lundi matin 8h, puis je pense qu'à 8h02, j'étais tombée en amour avec
mon programme d'études. Donc, ça s'est super bien passé. J'ai passé, je vais dire, 3 ans en amour avec mes études. Ça continue avec le travail, là. Donc, je vais dire, j'ai été très chanceuse, là, je vais dire, que ce soit le coup de foudre tout de suite, là. Mais j'ai toujours été ouverte à la possibilité, en fait, là, de dire, ben, je changerai. Si j'aime pas, je changerai. J'effectue présentement des études là, pour obtenir un baccalauréat en gestion des ressources humaines. Donc, j'aime le droit, mais j'aime aussi les ressources humaines. Je pense qu'on peut aimer plus qu'une chose là, dans la vie. C'est ça. Puis, on dit souvent aussi que le droit se retrouve un peu dans tout. Donc, il y a plein de possibilités aussi, là, justement, de poursuivre ces études-là comme vous le faites. Puis ce que vous avez appris à la technique juridique, ça va sans doute vous servir aussi dans vos futures fonctions aux ressources humaines, j'en doute pas. Maintenant, si on parle des qualités requises pour ceux et celles qui voudraient faire le travail de technicien et technicienne juridique, qu'est-ce que ça prend selon vous là, comme qualité? De l'autonomie, parce que comme je l'ai dit, c'est un partenariat, donc il n'y a pas personne qui va nécessairement là, nous vérifier, nous pousser, c'est vraiment, ça nous appartient, on est maître de ça. Donc, je dirais beaucoup d'autonomie, ensuite beaucoup de curiosité, parce qu'il faut vouloir chercher, des fois, vous faisiez référence tout à l'heure, trouver une décision ou un élément qui viendrait tout bouleverser. Des fois, pour trouver cet élément-là, il faut creuser un petit peu plus loin. Donc, la curiosité est très importante là, pour être sûr qu'on a vraiment vidé la question, qu'on a vraiment tout cherché, tout fouillé, puis qu'on a trouvé vraiment là, tout ce qui était pertinent. Ensuite, beaucoup de rigueur, parce que le droit, ça c'est plate à dire, mais ça pardonne pas dans le sens où l'analyse qu'on fait en tant que technicienne, c'est important. Lorsque je dis que la procédure, elle est conforme et que le curateur n'intervient pas, mais ça s'arrête là. Il n'y a personne qui va vérifier après moi. Donc, c'est important que le travail a été bien fait. Même chose si vous êtes dans un cabinet privé puis que vous avez fait de la recherche. Le juriste ne va pas nécessairement aller chercher lui aussi après vous pour s'assurer que vous avez tout bien trouvé. Il vous fait confiance que vous avez bien cherché et que vous avez trouvé ce qu'il y avait à trouver. Donc, je vous dirais là, que c'est probablement les 3 aspects là, les plus importants. Excellent. Eh bien, là-dessus, c'est ce qui m'est fait à l'entrevue d'aujourd'hui. Ça a passé extrêmement vite. Ça a été un plaisir de vous recevoir et d'en apprendre davantage sur ce qui est le quotidien d'une technicienne juridique puis des possibilités d'emploi aussi qui entourent le domaine du droit parce que, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas uniquement notaire et avocat, il y a aussi techniciens et techniciennes juridiques qui font un travail vraiment important au sein d'une équipe. On ne peut pas s'en passer, on le dit plusieurs fois pendant l'entrevue, là, c'est vraiment un bel échange, un beau partenariat entre l'équipe de travail. Pour les jeunes à la maison, bien, je vous félicite d'avoir pris les moyens concrets pour faciliter votre choix scolaire et professionnel. J'espère que ça a pu vous aider dans votre réflexion. Et puis, merci encore, cher mentor, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. On se revoit pour une prochaine entrevue. Merci.